Eh bien, salut tout le monde, c'est Zenke, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture Yu-Gi-Oh! Et ce coup-ci, on va ouvrir le deck de démarrage, l'attaque du lien, qui est le premier deck avec les nouveaux monstres liens, du coup, qui est sorti il n'y a pas trop longtemps. Et du coup, on va découvrir ça ensemble. Donc, comme d'habitude, derrière vous avez la liste des cartes, un aperçu de quelques cartes et du tapis de jeu. Donc, voyons voir. Là, on a le petit livret de règles, comme d'habitude. Et là, on a un tapis de jeu. Bon, je regarderai ça de mon côté de plus près. Et ensuite, on va virer le carton à l'intérieur. C'est fait bizarrement, maintenant, alors. L'intérieur de leur deck, comme ça, là. Je trouve que c'est pas très pratique. Et ensuite, nous avons la carte du devant du deck. Alors, est-ce qu'il y a une ouverture facile? J'ai l'impression. Faut que j'arrive à choper le truc. Sinon, on va ouvrir ça avec un cutter tranquillou. Voilà. Bon, faut savoir, enfin je l'ai déjà dit dans la vidéo d'avant de présentation du deck Pendule, mais moi ça fait depuis les synchros que j'ai arrêté les cartes Yu-Gi-Oh! Du coup je connais pas encore toutes les nouvelles cartes, enfin surtout tout ce qui était Pendule et maintenant le lien qui est tout récent. Donc nous avons le lien assassin en ultra rare. D'accord, assez sympa. On a le décodeur bavard en ultra rare qui est du coup une carte lien avec toutes les petites flèches autour de la case. Nous avons le nuage RAM en super. Botte de miel, une lien en super. Araignée lien qui est une lien en super. Ensuite nous avons Bitron, Draconet, Serpent galactique. D'accord, il y a des monstres classiques, ça fait un moment que j'en ai pas trop vu. Dragon Carapace Mystère, Barbarossa Roi des Bêtes, un Cyberdragon, Lanceur Photon, Univers Exarion, Mandragora Colonie du Mal, Capitaine en Maraude, Sangan, Curie Bandit, Marshmallow, Voiture Carte D, d'accord, Ricole Chasseur Seigneur Lumière, Pendulier de Combat, Attaque de l'Épouvantail, Illusionniste d'effet, Ciné-univers, Réincarnation des monstres, Trou noir, Typhon d'espace mystique, Le livre de la lune, Lance interdite, L'union fait la force, Pot de dualité. Enfin, ça, c'était à l'époque une carte vachement recherchée. Quand elle était sortie la première fois, elle était genre en secrète, en plus comme ça, du coup, à côté de ouf. Fardeau du puissant, Unité de ravitaillement, Terraformation. Joueur d'avarice, appel de l'être hanté, force de miroir, ça fait toujours plaisir. Hommage torrentiel, anneau de destruction, trappe sans fond, dispositif d'évacuation obligatoire, chaîne démoniaque, et pot de vin du temple maudit. Voilà. Donc c'est tout pour la présentation du deck de démarrage, l'attaque du lien. J'espère que ça vous aura plu. On verra. Peut-être que je referai un jour d'autres vidéos d'ouverture Yu-Gi-Oh! Pour l'instant, je sais pas du tout. En tout cas, si vous avez aimé, pensez au petit like, au commentaire, à vous abonner, ça fait plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine.